Bien, merci. Et, du coup, on peut commencer cette première meet-up qui est organisée un peu en dehors de Paris. C'est la première fois qu'on fait un événement, comme je ne sais pas si tout le monde qui est là savent ou pas, mais cette meet-up, ça s'appelait avant SRO Paris. Mais suite à tout le confinement et tout ça, on s'est rendu compte que finalement, qu'on pouvait faire des meet-ups en dehors de Paris, que ça existait aussi des autres villes en dehors de Paris. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé un peu l'initiative de faire des événements aussi ailleurs. Et avec l'aide des Romains et d'Emmanuel, qu'on a déjà aussi sponsorisé cet événement à Paris, qu'on dit on a organisé cet événement-là à Bordeaux. Et du coup, voilà, déjà, merci encore une fois, mais parce que c'est super chouette de pouvoir voir des gens aussi, savoir qu'il y a des SRO aussi ailleurs, des gens en tout cas intéressés par le sujet SRO, DevOps, ailleurs que Paris. Ça permet aussi de voir, de se connaître et savoir voilà, qu'on peut faire des choses ensemble aussi, c'est super intéressant. Du coup, voilà, du coup, pour ne pas trop tarder. Je vais vous présenter rapidement le programme de la soirée. Du coup, là, on est à la partie accueil des participants. Il y a Romain qui a présenté un peu Miracle. Qu'est-ce qui fait Miracle et pourquoi on est là aussi. Du coup, ça, c'est une partie plus intéressante. Aussi, la partie des news du groupe, il y a quelques actualités pour les gens qui peut-être sont bien dérangeants le groupe pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le futur, ce type de choses, où est-ce qu'on va. Du coup, voilà, du coup, vous allez avoir une idée à peu près des sujets à venir, qui a des trucs assez intéressants. Et après, on commence avec les présentations. Du coup, la présentation d'Henrik. Merci déjà, Henrik, aussi d'être là sous place aussi. C'est super chouette. Et du coup, qui va nous parler un peu de Kubernetes et du coup, comment éviter certains cauchemars. Je pense qu'à peu près tout le monde a vécu en mettant en place certains clusters. Du coup, voilà. Après, moi, j'ai fait une petite présentation aussi sur la partie d'uptime et comment partir de l'uptime, que c'est une métrique qui est assez commune. Je pense que tout le monde le connaît. Mais pour aller vers une implémentation des SLO, qui c'est un peu plus adapté à ce que peut-être l'utilisateur a besoin. Et après, on peut passer une partie des questions, des feedbacks, discuter un peu plus sur le meet-up. Et à la fin, on aura aussi un apéro, une collation non alcoolisée, sponsorisée aussi par Miracle dans le petit coin qu'on voit là. Et du coup, voilà, ça va être aussi l'occasion de discuter un peu, voilà, se présenter aussi. Et voilà, dis tout ça. Du coup, si tu veux, Romain, je te laisse te présenter un peu côté. Tu ressens le micro? Merci. Rapidement, je vais être très très rapide. Tout le monde ne connaît pas forcément Miracle, donc c'est une entreprise qui a été fondée il y a une dizaine d'années. Une entreprise SaaS sur le marché de la marketplace. On est 700, on est dans le monde entier. Et on a à peu près 300 clients. Notre produit, pour faire très, très rapide, en gros, met en relation des vendeurs marketplace avec des opérateurs de solutions de e-commerce, tous les retailers qui font du digital. Et on simplifie cette intermédiation en publiant des API à destination des sites e-commerce et à destination des vendeurs, et en ajoutant tout un tas de use cases à valeur ajoutée dans ce produit. Je ne vais pas détailler davantage. Aujourd'hui, on est entre SRE, donc qu'est-ce que ça veut dire chez nous? C'est une vingtaine de personnes environ au sein d'équipe Labs. On verra ça juste après, qui font à peu près 200 personnes. On a un déploiement international, donc avec une stratégie multi-cloud, Google, AWS et GCP, assez classique donc. Et on a une usine de déploiement qu'on espère assez moderne du coup pour permettre non seulement à l'équipe SRE de déployer l'infrastructure, mais également à l'ensemble des développeurs quand c'est possible, donc basé sur Terraform Cloud et Argo pour les déploiements Kubernetes. Évidemment, comme toutes les boîtes de tech, on recrute. Voilà. Voilà, on a des grosses perspectives de croissance. Hein, vous ne l'avez peut-être pas vu sur la première slide, mais on avait beaucoup d'argent et donc qu'on le dépense maintenant. On recrute énormément de talents tech. On a pour objectif de faire grossir les effectifs de plus du double en 3 ans là. Voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait d'un point de vue technologique, on a un tech blog, miracle.tech, et on a un site carrière pour voir un peu les opportunités qui sont ouvertes chez nous. Voilà, je ne vais pas vous embêter davantage. Merci.
Du coup, Henrik, je vais. Ou si tu veux. Ouais, c'était une news rapide. Quand même. Tiens. Excuse-moi, on ne s'était pas calé. Tu te mets pas sur un ordi. Je vais activer ici. Hop, est-ce que là c'est mieux? Confirmation de Mathieu. Ouais, c'est parfait. Ok, du coup, ce que j'ai fait, ça c'est le groupe Telegram. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe depuis un moment, vous connaissez déjà, il y a un groupe Telegram. Du coup, on a un groupe pour échanger, discuter, mais aussi il y a un groupe juste pour s'abonner et recevoir des news en mode broadcast pour ceux qui n'ont pas envie de peut-être d'interagir ou discuter tout le temps, voire passer des messages qui ne vous intéressent peut-être pas forcément. Du coup, ça, c'est quelque chose un peu connu. Du coup, je vous invite aussi à vous connecter à ces deux groupes si ça vous intéresse. Il y a des choses assez intéressantes, en tout cas. Et aussi, c'est là où on se coordonne pour organiser les événements ou des autres projets qu'on a ensemble. Voilà. Du coup, hop, prochain slide. Si ça veut 5 ou 2, sinon, bah, je vais passer dessus. Voilà. Du coup, une autre news, c'est que du coup, on a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a décentralisé le groupe qu'avant s'appelait Sarro Paris, on l'appelait Sarro France, justement pour ouvrir un peu à tout le reste de la France, pas qu'à Paris. Et dans cette démarche aussi, on a créé cette compte Twitter, du coup, justement pour diffuser toutes ces actualités-là. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre les actualités du groupe. Et évidemment, l'idée, c'est de continuer à faire des meet-ups en dehors de Paris. Du coup, peut-être, je ne sais pas, bientôt, ça s'appelle à Lyon ou à Lille ou à Nantes. Je pense que c'est à peu près plutôt les grandes villes. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les actualités du groupe. En parlant de ça, justement, on a créé, c'est un projet qui est un peu né dans le groupe Sarro aussi. C'est un projet GitHub. Du coup, avec celui-ci, ça a été créé principalement avec l'aide des gens du groupe. Et l'idée, c'est juste un système de publication des news du groupe de façon collaborative en utilisant le GitHub Actions des workflows. Du coup, ça permet à tout le monde, en tout cas des gens qui sont dans le groupe, de participer et de partager des news qui peuvent intéresser à la communauté SRO en France. Du coup, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez contribuer en termes de partager cette qualité ou aussi partager dans le code, contribuer au code du projet, si ça vous intéresse. Concernant ça aussi, ce que j'ai en train de dire, on a commencé à réfléchir à créer une sorte de guide ou de manuel en how-to, en gros, basiquement, de comment organiser les événements locaux des Sarro France pour que ce ne soit pas lié, c'est que comme on veut décentraliser l'organisation du meet-up, que ce ne soit pas qu'en France, aussi que n'importe qui, que ce ne soit pas qu'à Paris, que n'importe qui puisse le faire aussi, mais si quelqu'un a envie de faire un événement, je ne sais pas, à Nantes, à Lille, qui n'attend pas que l'événement se réalise tout seul. Du coup, vous avez une sorte de playbook pour le faire. Du coup, elle est en train de faire ça. C'est un licence Creative Commons. Du coup, vous voulez tout le monde peut contribuer. Et après, ça peut être aussi réutilisé pour faire des autres événements. Nous, on sait pas s'il y a pas mal de documentation qui a été créée par l'équipe d'Edit Lab. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, ils ont aussi un playbook pour ce type d'organisation des meetups, des événements. Du coup, c'est assez pratique. Du coup, voilà, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil si ça vous intéresse à participer. Voilà, et une petite teasing aussi que je parlais. On est en train de réfléchir avec un petit groupe des gens du groupe SRO qu'on a créé un channel Telegram dédié
c'est pour organiser un événement qui laisse de faire pas seulement des événements dans un endroit fermé ou dans un bureau, l'idée c'est aussi de peut-être faire un événement un peu mix nature, mix une conférence ou workshop. Pour ceux qui connaissent, il y a le Snow Camp, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas certains. C'est un événement qui est par exemple fait à Grenoble, qui c'est en hiver. Et il y a une partie de la journée, c'est des conférences, et l'autre partie, c'est des faire du ski ou des sorties comme ça. Du coup, l'idée de cet événement-là, ça va être de faire un meet-up SRE, mais en été. Et voilà, du coup, l'idée, c'est de faire une partie conférence, workshop, et l'après-midi, peut-être que ça peut être un peu rando ou découverte, escalade, ce type de choses. L'idée, c'est d'avoir un peu pour tous les niveaux, pour tous les gens qui veulent un peu découvrir. Du coup, voilà, parce qu'on s'est dit que peut-être aussi, c'est l'occasion de faire des événements nature où on peut discuter avec des gens dans un autre format qui ne soit pas forcément un format plus comme ça, formel. Ça peut être sympa. Du coup, voilà, on est en train de voir. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, si vous voulez participer à l'événement ou à l'organisation aussi. On cherche toujours des bénévoles pour ça. Ça va être, je parlais de Snow Camp, mais Snow Camp, c'est un événement d'à peu près 600 personnes. Nous, on ne vise pas 600 personnes là au début. Hein. Ça va être à peu près, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de personnes. Déjà, on sera content. Mais l'idée, voilà, c'est juste s'amuser, passer un bon moment. Du coup, principalement ça. Et voilà, ça, c'était tout pour les news. Du coup, si tu veux, enchaîner. Ouais. Je suis désolé. Je pense que... Voilà, je vais mettre tes slides. Alors du coup on va parler d'un sujet, si vous avez tous été confrontés à Kubernetes, j'imagine. Et il y a certains événements en Kubernetes qui peuvent être impactants pour les utilisateurs et pour le fonctionnement des clusters. Et l'idée, bah, c'est de trouver une technique pour tester ces fameux événements et les inclure dans un cycle de validation. Et après, c'est pour ça qu'on va parler aussi de Chaos Engineering. Qui arrive. Et du coup, on fait un petit intro sur la partie Chaos Engineering et on va lister un peu les outils que j'ai utilisés. C'est des outils essentiellement open source. Donc moi, je travaille pour Dynatrace, mais je ne vais pas parler de Dynatrace du tout. Je ne ferai pas du tout de contenu. Bien entendu, tout ce que je vous présente là, on peut le faire avec Dynatrace si on le souhaite. Là, j'ai plutôt orienté la présentation sur utilisons une stack open source et on peut très bien y arriver complètement et simplement. Et mais on peut très bien le faire avec des outils payants également. Alors, juste avant qu'on commence, voilà. Donc, voilà, j'ai juste me présenter, donc je m'appelle Henrik Excel, je travaille pour Dynatrace, je suis Cloud Native Advocate. Avant cela, j'ai été essentiellement dans le monde de la perf, je travaillais plus de 15 ans dans le monde de la perf. Comme la perf, ça serait souvent un sujet qui me tient à cœur, je suis un des animateurs et producteurs sur une chaîne YouTube qui s'appelle Perfbytes, donc c'est que du contenu sur l'ingénierie de la performance. Et j'ai démarré en juillet dernier une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Easy Developer. C'est que du contenu des tutos sur qu'est-ce que c'est FluentD, FluentD, comment récolter des métriques sur Kubernetes, qu'est-ce que Bitmistress. Du coup, je présente des projets CNCF essentiellement. Et après, j'accompagne ça avec des tutos. Donc, si vous cherchez du contenu technique pour vous rentrer dans une techno particulière, je vous recommande de regarder ma chaîne et surtout de vous donner des feedbacks, parce que ça, c'est une manière d'améliorer le contenu. Hop, allez, on y va. Alors, on va commencer. Avant ça, juste rappeler de quoi on va parler. On va parler de plusieurs choses. Donc, je ne connais pas votre niveau sur Kubernetes, donc on va refaire des petits rappels sur ce que c'est Kubernetes d'une manière très simpliste. On va rappeler les problématiques sur lesquelles on peut rencontrer. Et puis, surtout, comment on peut éventuellement les valider de manière intelligente. Et pour ça, on va utiliser du Chaos Engineering. Donc, on va regarder comment on va pouvoir designer ces expériences. Et puis, qui dit expérience, qui dit testing, dit qu'il faut forcément avoir un cycle de validation. Donc, on va regarder quelles sont les métriques, les événements qui font sens et qui vont nous aider à valider nos fameux tests. Et enfin, en dernier, comme on est tous ici dans une optique as-a-service, on a envie d'automatiser. Donc, on va regarder comment, d'une approche manuelle, on va pouvoir introduire son approche automatisation. Et donc, ça va permettre d'introduire un framework open source qui s'appelle Captain également. Allez, on rentre dans l'histoire. Donc,
Kubernetes, c'est génial, mais des fois, il y a des choses un petit peu, on va dire, on peut perdre les cheveux en travaillant tout le temps sur Kubernetes. Pourquoi ? Tout simplement pour rappeler, bon, on sait tous, Kubernetes est un framework d'orchestration. Ce framework d'orchestration, il se base sur des nœuds, et les nœuds, à la fin, ce sont des serveurs physiques ou des serveurs virtuels. Donc, les contraintes qu'on avait par le passé, elles seront toujours présentes. Donc, on a forcément des limitations physiques et forcément des limitations de port, d'adresse IP, enfin, tout ce qu'on peut avoir. Dans Kubernetes, si vous le savez, il y a deux types de nœuds. Il y a le nœud master et il y a le nœud worker. Donc, le nœud master, si vous êtes sur GCP, Amazon et autres, c'est managé, vous ne voyez pas ce nœud. Ce nœud, c'est ce qu'il va y avoir dans toutes les icônes, donc le scheduler, etcd, le control manager et API server. Donc, ça, c'est ce qui va permettre de faciliter le déploiement et l'orchestration du workload au sein du cluster. En dessous, on va retrouver deux nœuds qui sont les worker nodes. Et en fait, Kubernetes a un cycle de vie sur les déploiements. Quand on déploie un nouveau workload, ce déploiement va passer par différents états. Et pourquoi on va voir ces différents états ? Parce que derrière ces états, il y a énormément d'événements qui sont générés par Kubernetes. Donc, il est important de les connaître. Donc, quand je déploie, donc j'ai utilisé certainement Kubernetes ou autre système. Donc là, j'interagis avec l'API. À ce moment précis, la première étape de mon workload, c'est pending. Pending veut dire j'ai plusieurs nœuds. Kubernetes va essayer d'identifier quel est le nœud qui sera apte à prendre ce nouveau workload. Donc, basé sur forcément les ressources disponibles, basé sur des politiques de tenants and tolerance, basé sur plein de différents critères. Une fois qu'on a trouvé le nœud qui est capable de hoster ce nouveau workload, on passe en mode creating. Donc là, creating, on le sait tous, on dépend de conteneurs. Donc là, Kubernetes va essayer de joindre la Docker registry la plus proche, récupérer l'image en question et pour pouvoir finalement passer à l'état suivant. Dans cet état-là également, on vérifie si les volumes sont bien présents, si les config maps sont bien présents, les secrets, si tous ces éléments sont manquants, on va être en erreur. Et enfin, une fois, dernière étape, forcément, on passe en mode running. Donc là, on démarre le conteneur, donc l'application ne tourne pas. C'est pour ça qu'on a des readiness probes, des health probes pour pouvoir vérifier que l'application tourne vraiment. Mais du coup, on a un état bien précis. On passe de pending à running en différents états. Donc maintenant, on connaît tous les workflows. On va voir un sujet qui peut arriver plus qu'on le croit. Kubernetes peut clairement détruire notre application dans un cadre bien déterminé. Donc là, j'ai modélisé ici, donc il y a deux pods. On va dire que c'est pas deux pods, on va dire que c'est plutôt des namespaces. Hein. Donc, c'est deux applications. J'ai une application qui est plus importante que l'autre et une application qui veut dire moins que customer facing, mais par contre, tout d'un coup, elle consomme plus de ressources. En conséquence de cet événement-là, parce qu'on n'a pas bien configuré notre cluster, j'ai mon nœud en question qui se trouve en situation de pression. Donc, on peut avoir des situations de pression sur de différentes natures, mais Kubernetes, lui, quand il est en situation de pression, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Ah, je suis en pression, il faut que je résolve le problème. » Donc, c'est là où on va démarrer un mécanisme de déviction. Déviction, je ne sais pas si vous le savez, mais déviction, ça veut dire je vais sélectionner un pod qui est présent dans ce cluster, dans ce nœud, pardon, et je vais le détruire. Donc, je tue le pod, donc j'en ai sélectionné un, je le tue, et je vais replanifier, rescheduler ce pod dans un nœud qui permet de hoster ce pod. Donc là, finalement, on va dire en quelques secondes, voire peut-être une minute, l'utilisateur n'a pratiquement rien vu. Et si on a bien désigné son architecture, quasi zéro impact pour l'utilisateur. Par contre, on peut se retrouver dans une situation. Ah, pas très bien. Là, c'est mieux, là. Bon. Donc, il faut que je parle à côté du. Donc, donc dans ces cas de figure-là, quand on se retrouve dans cette situation-là. Non, mais sinon, je vais faire comme ça, c'est marrant. Non, tant que c'est bon. Donc, on peut arriver dans une situation différente où finalement j'ai des politiques de tenants and tolerance où tous mes nœuds sont saturés et là je me retrouve en fait. Kubernetes veut replanifier mon workload, donc il l'a tué d'un nœud et en fait il n'y a aucun nœud disponible. Et donc là, au lieu d'avoir un downtime de quelques secondes, on se retrouve avec plus rien, plus son, plus d'image. Donc là, forcément, c'est impactant et c'est assez fâcheux pour l'utilisateur. Comment on peut résoudre ce problème ? Bon, déjà, il y a l'approche Kubernetes. La première approche, c'est l'éviction, elle se base sur des priorités. Ces priorités, elles sont fixées sur ce qu'on appelle des QoS, donc Quality of Services, et qui vont être définies grâce à, en définissant ce qu'on appelle des requests et des limites sur nos workloads.
Donc ça, c'est le premier élément. Ces request limits, en fait, la QoS elle est déterminée par la valeur que vous allez mettre sur les request limits. Si votre request est inférieur, est égal à la limite, on est sur du guaranteed. Si on est sur le request est inférieur à la limite, on est sur du burstable. Et enfin, on est best effort, il n'y a rien. Donc, du coup, quand il y a une éviction, on démarre par le best effort. S'il n'y a plus de best effort, on part sur le guaranteed. Et s'il n'y a plus de guaranteed, on va sur la partie guaranteed. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, sur le scénario que je vous ai dit tout à l'heure, on avait deux applications. Donc là, typiquement, on a tendance à souvent les séparer nos applications au mieux que possible par namespace. Donc, en mettant des ressources quotas sur les namespace, déjà, ça permet d'éviter qu'une application mange des ressources de son voisin. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Et après, la troisième bonne pratique que je n'ai pas listée, on peut aussi mettre ce qu'on appelle des pod priority classes. Donc, on peut définir des classes de différentes tailles et faciliter le travail pour Kubernetes. Alors, on va parler de request and limit, parce que justement, c'est un gros sujet. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est la request? Donc, la première chose, pensez que Kubernetes, c'est comme un jeu de Tetris. Quand on jouait sur le jeu de Tetris, on avait les formes qui descendaient en haut de l'écran. On manipulait les formes et on trouvait un espace disponible et on allait placer la forme dedans. Mais c'est la même chose avec Kubernetes. Quand on déploie un workload, il prend la forme, il dit tiens, c'est une grosse forme, une petite forme, et tiens, j'ai un emplacement ici, je vais le mettre ici. Si vous ne mettez pas vos requests, c'est-à-dire on ne facilite pas le travail à Kubernetes, donc du coup, lui, il ne voit que des petites formes, et puis en fait, il les place à un endroit, et tout d'un coup, il se rend compte que la forme, finalement, elle n'est pas petite, elle est très grosse. Et du coup, il a planifié quelque chose dans un nœud, alors qu'il aurait peut-être pu le planifier d'une manière plus intelligente dans un autre nœud existant. On peut même comparer Kubernetes à une boîte de chocolat. Je ne sais pas si vous étiez petit, à Noël, on a une boîte de chocolat. Bien entendu, on ne lit jamais le manuel, on est tous dans l'informatique. On regarde. Donc, on prend le premier le chocolat, on ouvre le truc, on mange le chocolat, et là, on se dit, oh putain, il y a de la liqueur. Donc, aujourd'hui, ça nous dérange un peu moins, c'est sûr, mais à l'époque, on avait cette grimace. Et bien, c'est la même chose. Kubernetes, on lui dit, tiens, prends ce pod, il le prend, et puis d'un coup, il se rend compte que finalement, à l'intérieur, il y a beaucoup de CPU, il y a beaucoup de mémoire à gérer. Donc, du coup, le request and limit, c'est la request, c'est un best practice. Il faut l'exprimer donc pour la partie mémoire, c'est en mémoire, en CPU, c'est en midi-core. Donc, si on fait des tests et on a à peu près un bon sizing de ce qu'on a besoin en termes de ressources, on peut facilement déterminer les valeurs. Par contre, si on fait nos pifomètres et qu'on met des valeurs très, très, très hautes, bon, ça va marcher, c'est très bien. Mais par contre, sachez que Kubernetes va allouer ses ressources et ces ressources ne vont jamais être utilisées. Ça veut dire que vous allez consommer de l'argent, surtout quand vous êtes sur du cluster managé. Vous allez payer des nœuds et sans jamais vraiment les utiliser. Maintenant, on va regarder les limites. Les limites, c'est différent. Donc, là, maintenant, on a déterminé qu'on avait besoin d'un appartement de 3 pièces. Maintenant, on a un contrat avec Kubernetes. On a dit, bah, tiens, tu peux consommer autant d'eau par jour ou autant d'électricité par jour. Donc, la limite, c'est un peu le principe. Quand il s'agit de la mémoire, c'est assez facile, puisque finalement, si on fait un test en charge, on peut savoir bah, tiens, quelle est la mémoire maximum dont j'ai besoin. Et donc, je peux définir cette valeur assez facilement et elle va être exprimée en mémoire, en byte. Quand il s'agit de la CPU, c'est différent. Il y a des blogs qui disent, aujourd'hui, c'est la grosse discussion, est-ce qu'on met des limites ou pas sur les CPU? Toujours est-il que c'est une bonne pratique. C'est encore à discuter, on pourra toujours en discuter après. Mais sachez que la limite sur la CPU, ça ne va pas se déterminer en mini-core, ça va se déterminer en temps de fonction. Alors, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est tout simplement un héritage de Docker. La manière dont Docker permet de partager les ressources sur une machine, ça se base sur 6 groupes, c'est un composant de Linux, et CFS. Et en réalité, il prend un cycle CPU. Un cycle CPU, c'est de 100 millisecondes. Et après, derrière, on va mettre un quota. Donc, quand je vais déterminer ici, je vais mettre mon quota que j'ai droit dans un quota. Quel est mon quota que j'ai droit dans un cycle CPU? Donc, si je mets 20 millisecondes, ça veut dire que je commence à travailler. Je fais mon travail pendant 20 millisecondes et là, j'ai passé mon quota. Donc là, Docker me stoppe. Donc là, je fais pause et j'attends le prochain cycle CPU et là, je peux redémarrer mon travail. Et donc, ce mécanisme de démarrer et de stopper par le système s'appelle du throttle, enfin CPU throttling. Et donc, l'impact de ça, forcément, quand on a du CPU throttling, bah, tout ralentit. L'application a du mal à fonctionner parce que du coup, on est constamment en train de stopper. Donc, du coup, au final, si on définit mal les limites, en termes de mémoire, bah, c'est assez simple. Kubernetes, il est assez direct. Si on consomme trop et qu'on avait dépassé le contrat, Kubernetes nous tue. Et il va envoyer un événement qui s'appelle OMKill. Donc, on sait pourquoi on a été tué. On a été tué parce qu'on a consommé trop de mémoire.
pour la CPU, c'est différent. Si on n'a pas défini assez de temps, on va avoir du CPU throttling. Donc là, pas d'événement. Par contre, on va avoir l'application qui rame. C'est la conséquence. Par contre, vous pouvez mettre des valeurs beaucoup plus grosses. Mais encore une fois, si vous mettez des valeurs énormes, vous allez mal gérer vos ressources sur vos nœuds et ce serait une mauvaise optimisation. Donc moi, j'ai fait un petit bench. Je me suis amusé. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une application. Je vais retirer les limites, les request limites. Et après, je vais les remettre. Et donc là, sur la partie gauche, on voit donc sans les limites. Donc en haut, sur les ressources, c'est la CPU. Donc je dis, bon, tiens, quand je n'ai pas de limite, nécessairement, je peux consommer la CPU que j'ai besoin. Donc ça marche très bien. Donc si je mets les limites, on voit, tiens, j'ai optimisé, je suis fier de moi. En fait, je n'ai rien optimisé, mais c'est le système qui m'a capé, je ne peux plus consommer plus. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est sur le temps de réponse. Quand on regarde sur le temps de réponse, sans les limites, on était autour de 100 milli à peu près. Et quand j'ai appliqué les limites, là, je suis passé à 3,6 secondes. Quoi. Donc là, on est sur un facteur. Et tout ça, c'est juste du CPU throttling. Donc finalement, juste en définissant ces petites valeurs-là, on se rend bien compte qu'il y a un gros impact. Donc on va se dire, mais pourquoi on va mettre ces limites? Pourquoi on va se mettre ces requêtes? Tout simplement parce que si on veut bien utiliser Kubernetes et bénéficier de tous les mécanismes qu'il y a derrière Kubernetes, il faut mettre, c'est une bonne pratique de l'industrie, il faut le faire. Par contre, en contrepartie, on le sait très bien, il y a plein de sociétés dans le monde qui ont parlé à KubeCon au travers de ces différentes années et ils vont partager des histoires affreuses. Donc, il y a Airbnb, il y a Zalando, enfin, il y en a plein, sur justement le cas de juste du CPU throttling. Et après, on a aussi des cas différents sur la partie mémoire. Donc, j'ai un ingress qui a été stoppé net, tué par Kubernetes, dû à la consommation de mémoire. Donc là, j'ai mis le QR code. Donc, il y a un site web qui liste toutes ces fameuses histoires. Donc, c'est assez intéressant de la regarder. C'est assez instructif. Alors, maintenant, pour pouvoir valider ça, l'objectif, c'est qu'on sait qu'on a une problématique, on sait qu'on va avoir un impact sur notre applicatif qui va générer des erreurs potentielles. Donc, pour ça, la meilleure approche, c'est de tester. Et pour ça, il y a le chaos engineering. Donc, si on regarde la définition de chaos engineering sur Wikipédia, donc c'est un processus, le chaos engineering, où on va découvrir les vulnérabilités, les problèmes, en injectant des problèmes ou des erreurs dans l'application. Et même, il rajoute en production. Donc déjà, je dirais, je ne suis pas fou, je tiens à mon travail, je ne vais pas m'amuser de le faire direct en production. Je vais d'abord le faire dans des environnements non production, apprendre, comprendre comment ça fonctionne, et après, quand je serai suffisamment mature, je pourrai passer sur la production. Donc, le processus, quand on crée du chaos engineering, il est assez simple. Il va se baser sur trois étapes majeures. Donc, la première étape, c'est on va déterminer des hypothèses. Donc, j'ai designé mon application, je sais comment elle tourne. Donc, je vais commencer à réfléchir. Okay, donc je sais que j'ai une connexion à une base de données. Qu'est-ce qui se passe si le lien coupe? Ça peut arriver. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi, je sais, par exemple, que si le lien coupe, je vais avoir plein de problèmes. Les gens ne pourront plus s'authentifier. Je liste les différentes anomalies qu'il peut y avoir. Donc, je identifie un problème et je essaie d'identifier comment mon application va réagir. Une fois que j'ai fait cet exercice, je vais faire du test, il faut que j'identifie des KPI, des indicateurs qui vont me permettre de valider. Donc, quelles sont les métriques qui vont me permettre de valider, quels sont les événements, etc., etc. Une fois que j'ai fait cet exercice-là, je vais pouvoir passer à l'étape suivante où je vais définir le workflow. Parce que pour pouvoir injecter de l'erreur, souvent, c'est un workflow. Première étape, je déploie une application. Deuxième étape, je tue j'introduis de la latence dans un lien réseau, etc., etc. Après, il faut bien savoir en tête qu'on va certainement le lancer en production dans un futur plus ou moins lointain. Et donc, il va falloir identifier des processus de rollback. Comment je reviens à une situation normale sans avoir aucun impact auprès de mes utilisateurs réels. Et dernière, parce que je vais mesurer des métriques, comment je les mesure? Comment je récupère ces métriques? Comment je récupère ces événements? Donc, ça, c'est aussi à comprendre. Une fois qu'on a fait tout ce travail de fond, maintenant, on sait où on va, on peut lancer nos expériences. Donc, on va faire le travail pour Kubernetes. Donc, on va voir les différents cas. Donc, le premier cas, on l'a vu tout à l'heure, c'est les configurations de Kubernetes. Donc là, on va dire, je suis très fier de moi. Je dis, moi, j'ai super bien configuré. Je m'attends à ce que mon application, elles sont stables. Il n'y a pas d'erreur parce que j'ai vraiment confiance en valeur que j'ai mis sur mes déploiements. Donc ça, c'est ce que je pense. Deuxième scénario, c'est la maintenance. On sait tous, surtout quand on manage son cluster soi-même, Kubernetes, il y a des montées de version.
Donc, quand on a plusieurs nœuds, quand on manage son propre cluster sur Rancher ou autre chose, va falloir faire la montée de version. Donc, pour faire la montée de version, je enlève un nœud, donc je le mets en pause, entre guillemets, je fais la montée de version et après, je le rattache. Donc, ça veut dire que quand on a un cluster à opérer en prod, on va avoir plus des nœuds qui vont être retirés, ajoutés pendant le cycle de prod parce que c'est ce qu'on s'attend à avoir. Donc, comme on s'attend à ça, on s'attend à ce qu'il n'y a pas d'impact utilisateur, que tout marche. Et enfin, le dernier scénario, c'est l'éviction, on l'a vu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une éviction? Moi, mon application est plus critique, je ne veux pas que mon application elle soit impactée. Que ce soit l'application qui est moins stratégique, OK, mais pas la mienne. Donc, du coup, sur mon application associée, j'espère ne pas avoir de downtime, ne pas avoir de problème de perf, etc. Quels sont les piliers de l'observabilité qu'on va utiliser? Je les ai tous listés, on prend une liste de plusieurs, mais... On a les logs, les événements, les documentaries, les métriques, les traces, mais on est vraiment dans un contexte d'infra. Donc, les traces, ce n'est pas trop mon truc, je n'ai pas trop les regarder. Je vais me concentrer sur les métriques et les événements. C'est vraiment les deux éléments majeurs. On pourrait éventuellement regarder les logs également, c'est des logs systèmes à plus importantes, mais c'est vraiment les deux piliers, ça va être les logs, les événements et les métriques. Alors, on va voir maintenant les métriques et les événements qui ont du sens pour nos fameuses expériences. Donc, la première élément, on va regarder les métriques. Sachez que Kubernetes, c'est comme un oignon. Donc, il y a plusieurs couches. La première couche qui est à l'extérieur, c'est l'utilisateur. Donc, finalement, si on fait un problème de configuration, il faut déjà mesurer l'utilisateur en lui-même. Donc, son temps de réponse, les erreurs qu'il peut rencontrer, le taux d'erreur qu'on peut avoir côté applicatif, les exceptions, ce genre de choses. Après, je vais redescendre sur le nœud en dessous. Donc, l'élément en dessous, ça va être le nœud. Donc, le nœud, on va, comme j'ai dimensionné mes nœuds d'une certaine manière, je vais vérifier que ma CPU et ma mémoire, elle est bien dimensionnée. Regarder également éventuellement le nombre de pods. Si j'ai mis des politiques associées, j'ai envie de regarder peut-être le nombre de pods qu'ils ont dessus. Ça peut être un très bon indicateur. Et après, on va partir sur les pods. Donc, les pods... sur ce niveau-là, on va s'atteler sur qu'est-ce que j'ai défini comme request, en request, qu'est-ce que j'ai défini en limite et quelle est vraiment l'utilisation. Et voir si effectivement si je suis en dessous ou au-dessus de la limite que j'ai fixée. Et après, bien entendu, tout ce qui est associé à l'impact, donc c'est-à-dire le CPU throttling, comme c'est sur un contexte conteneurisé, il faudra regarder dans le conteneur. Donc, est-ce qu'il y a du CPU throttling? Quelle est sa consommation mémoire? Quelle est sa consommation CPU, etc., etc. Sur les événements, là, on va regarder les événements. On peut regarder les utilisateurs, on ne va pas prendre en considération. Si c'était en prod, on pourrait regarder les tickets support, les nombres de tweets, enfin, ce genre de choses, mais on ne va pas s'atteler à ça. On va regarder sur la partie infra. Donc là, on va regarder les événements purs Kubernetes. Donc, on a des événements à différents niveaux. On a les événements au niveau du nœud en tant que tel. Donc, le nœud, on va avoir des événements comme node pressure. Ça peut être des événements sur des disques aussi, parce que ça peut être aussi un problème de disque peut déclencher une éviction aussi. Et enfin, après, on va regarder les événements sur le pod en lui-même. Et sur le pod, on a plein d'événements intéressants. Donc, fail scheduling, c'est-à-dire, si je n'arrive pas à scheduler mon pod, il y a un problème. Je vais certainement avoir un nœud ou une politique qui fait que je n'ai plus d'espace pour positionner ce pod dans mon cluster. L'éviction, entendu, on cherche l'éviction, donc on va regarder cet événement. OM kill, on sait que si un OM kill, c'est que c'est un problème de mémoire. On peut regarder aussi des unhealthy. Si des fois on a une situation, on est un peu en instable, on peut avoir des événements unhealthy qui sont levés par les pods, donc ça peut être intéressant à regarder également ces événements. Alors, maintenant, on va regarder les expériences qu'on peut réaliser. Donc, pour la partie éviction, et maintenant, on va combiner ces deux expériences ensemble. Alors, pourquoi? Puisque finalement, la maintenance, c'est je retire un nœud les nœuds qui sont restants sont censés récupérer le trafic sans impact. Donc, on va pouvoir combiner les deux. Pourquoi? Parce que pour arriver à l'éviction où je sature un nœud, si j'ai beaucoup de nœuds, je vais avoir beaucoup de mal à arriver à cette situation. Donc, pour arriver à cette situation-là, je vais supprimer les nœuds. Je vais faire un node drain, donc je vais les mettre en pause. Ils vont être retirés du cluster. Et donc, du coup, je vais avoir plus. Ça va être plus facile pour moi d'arriver à une situation de pression. Et donc, une fois que j'ai moins de nœuds, c'est là où je vais commencer à faire des expériences. Je vais générer du CPU stress sur un nœud déterminé. Je vais générer de la consommation mémoire.
etc. On peut même faire du disque aussi si on veut faire aussi simuler des pressions sur les disques. Et comme on est en test, si on est en prod, il faut récolter l'indicateur au sein des vrais utilisateurs. Mais là, on a la possibilité de le faire en test pur. Donc là, c'est là où le test en charge va avoir une vraie valeur. Le test en charge, je ne cherche pas à stresser le système. Donc, je vais avoir un test qui va avoir un plateau stable, donc le même nombre d'utilisateurs. Et pendant l'issue de l'expérience, le test en charge va être là juste pour mesurer le ressenti temps de réponse et surtout remonter le taux d'erreur. On arrive à la situation voulue, on a réussi à stresser le nœud associé, et donc là, on a les vixels qui arrivent. Pour la partie validation des configurations que Kubernetes, on n'a pas forcément la nécessité en tant que telle de générer des expériences dans le cluster. Si je configure mon cluster, il me suffit de lancer un test avec une charge stable, et après, je peux comparer entre quel était le comportement d'application sans limite, sans rien défini versus les valeurs que j'ai mises. Et après, il va falloir affiner pour optimiser et trouver la valeur la plus optimum pour avoir le meilleur temps de réponse avec un coût raisonnable. Et puis voilà. Donc, un test de charge, finalement, c'est ce qui sera le mieux, le plus approprié. Donc là, maintenant, on sait à peu près comment faire. Maintenant, on va regarder l'outillage qu'on peut utiliser pour mettre ça en place. Donc, la première recommandation, c'est de bien designer son cluster. Alors, pourquoi ? Sachez qu'on va générer des anomalies, des erreurs sur le cluster. Et à côté de cela, je vais avoir mes applications qui tournent, mais aussi je vais avoir les outils de test et d'observabilité qui vont être là. Donc, quand je fais une impact ou je fais un stress CPU ou un stress mémoire, ben, je n'ai pas envie d'avoir un impact sur mes outils de test et je n'ai pas envie d'avoir un impact sur mes outils d'observabilité. Donc, je vais déjà créer, soit vous pouvez faire ça par Taints and Tolerance, soit vous faites des node labels et après, vous faites par des label selectors, vous scindez, vous mettez des nœuds qui sont dédiés pour vos outils, et vos outils de test et vos outils d'observabilité et des nœuds qui sont dédiés que pour l'applicatif. Donc, une fois que vous avez fait ça, on est prêt à lancer une chose. Pour la partie Chaos Engineering, moi, j'ai utilisé Litmus Chaos, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Chaos Mesh aussi qui est très bien. Litmus Chaos a vachement évolué au sein des dernières années. Donc, ils ont une interface graphique qui s'appelle le Chaos Center. Vous pouvez soit installer Litmus Chaos dans le même cluster que votre application, soit vous pouvez l'installer sur un cluster séparé et là, vous aurez la nécessité d'installer un agent. Donc là, il va piloter les expériences qui vont se jouer à distance. Derrière, je n'ai pas mis tous les composants, mais Litmus vient avec des exporteurs Prometheus. Donc, du coup, vous aurez comment s'est passé vos expériences, le taux d'échec, etc. Autre chose qui est vachement bien avec Litmus, c'est qu'ils ont un Chaos Hub. Donc, il y a plus de 50 expériences qui sont prédéfinies. Et notamment dans le cas de Kubernetes, il y en a plein. Il y a Node Drain, c'est ce qu'on a besoin. On a le Node CPU Hog, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on n'a pas la peine de réinventer. Il suffit de configurer convenablement ces expériences pour arriver à ça. Pour la partie test en charge, vu qu'on est sur des tests relativement techniques, K6 fait super bien à faire. Et l'avantage de K6, c'est qu'il y a plein de plugins annexes. Donc, il y a un plugin qui permet d'envoyer les données dans Prometheus. Donc, si on va avoir toutes les données dans Prometheus et pouvoir faire l'analyse complète dans Prometheus, grâce à ce plugin-là, il faudra bien entendu s'assurer à ce qu'il soit déployé et installé dans K6. Et une fois que c'est fait, toutes les statistiques que K6 récolte seront envoyées dans Prometheus. Pour la partie observabilité, j'ai mis Prometheus. Donc, moi, j'utilise le Prometheus opérateur puisque ça met tous les composants associés. On aura le CubeSat métrique qui va vous remonter tout ce qui est comportement des différents objets, les requests, les limites, etc. Le node exporter, vous donnez la santé de vos nœuds, enfin, du nœud physique, virtuel. Et après, on a le CI Advisor qui va être concentré sur le conteneur. Donc, tout ce qui est CPU throttling, ce sera sur le CI Advisor que vous aurez ces métriques-là. Et comme K6 envoie aussi des données sur Prometheus, on les aura les données. Et comme Litmus le fait aussi, finalement, on aura tout dans Prometheus. Dans Dynatrace, on a un composant qui... Soit on déploie la stack dans le cluster, soit on a un composant qui va juste servir à alléger Prometheus. C'est-à-dire que si vos Prometheus prend un peu trop de taille,
Il soumet des annotations sur vos différents exporteurs et c'est Dynatrace qui va récupérer automatiquement les métriques et les indexer directement dans Dynatrace. Donc ça, ça permet d'avoir en fait d'injecter de la donnée de Prometheus et de l'envoyer dans Dynatrace. Maintenant qu'on a vu la stack, les différentes expériences, c'est bien joli, mais on ne va pas s'amuser à les faire tous les matins, surtout que ça prend un peu de temps à configurer. Et si on doit analyser, ça prend du temps. Donc, on va certainement utiliser un pipeline. Comme ça, on va être automatisé et on va être super efficace. Donc, on va prendre un pipeline classique, donc en Jenkins, GitLab, peu importe. Hein. Donc, on construit, on déploie l'application, on déploie éventuellement nos exporteurs. On peut déployer des graphes préconfigurés sur Grafana ou sur Dynatrace. On va déployer nos expériences et les lancer dans Eclipse Chaos. Les tests s'achèvent. Et là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'on appelle l'expert. On dit, bon, bah, tiens, tu peux la regarder. Et là, il s'écoule en fait une tâche d'automatisation qui est un peu floue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'automatisation. C'est-à-dire quelqu'un qui doit aller regarder pour dire, c'est bon, on peut continuer. Donc ça, ce n'est pas vraiment l'automatisation. On est bien d'accord. Il faut qu'on trouve une solution. Et pour ça, c'est l'intérêt du framework Captain. Captain, c'est un projet CNCF qui est passé en incubation la semaine dernière, qui a été développé depuis 3-4 ans par Dynatrace. Maintenant, il est géré par CNCF, mais managé par Dynatrace. Captain fait beaucoup de choses. On a plein de use cases différents, donc on a du progress delivery. Juste avant de détailler les use cases, c'est que Captain est basé, c'est un framework qui est basé sur des événements, sur des cloud events. Donc, les outils, en fait, on n'a plus de pipeline complexe de workflow. On a un outil qui va s'enregistrer un événement et Captain, lui, va juste envoyer des événements comme ça et les outils se réveillent, ils font leur travail et c'est tout. Donc, c'est très facile à maintenir. En fait, le framework a été créé sur la simple et bonne le constat que les gens copier-coller des bouts de pipeline et au bout de, si on prend 4 ans ou un an, même pas, on se recule et on se retrouve que ce petit bout de code de pipeline, il se retrouve partout dans l'organisation. Et quand on a besoin de faire de la maintenance, on se rend compte que ça va être très compliqué de changer d'outil. Parce qu'en fait, on en a partout des connexions, des intégrations. Donc, Captain a été conçu dans ce but-là. Donc, le premier scénario qu'on peut faire, c'est du progress delivery. Donc, vous pouvez déployer, lancer des tests, exactement comme un GitLab, un Jenkins. Donc, ça, c'est vraiment un use case classique. Mais on va au-delà de... On va aller sur la prod, parce qu'on fait aussi de la rémédiation et autre chose. Le deuxième use case, c'est je vais juste utiliser Captain pour une fonctionnalité. C'est ce qu'on va utiliser justement. Enfin, je vais vous présenter. C'est la Quality Gate. Et on va en parler plus précisément tout à l'heure. Et enfin, le dernier, c'est des scénarios de pure prod. J'ai un problème, j'ai un truc, une alerte. Je vais faire une rémédiation. Et donc là, Captain peut lancer des workflows de rémédiation automatique. Comment ça se configure ? Bah, très simple. C'est que des fichiers YAML qu'on stocke dans GitHub et en fait, il va les récupérer. Donc on est vraiment dans une approche pas GitOps, mais on a des connecteurs GitHub entre parenthèses. Donc on a un shipyard pour le déploiement et pour définir les étapes et les différents outils qu'on a besoin. Et après, il y a toute cette notion dans le monde du SRE, donc c'est les SLI et les SLO. Parce que tout ce qui est critère d'évaluation sur est-ce que j'ai un problème ou est-ce que mon test s'est bien déroulé est uniquement basé sur des SLI et des SLO. Donc, des SLI et des SLO, je ne sais pas si vous savez, mais c'est Service Level Indicators et SLO, Service Level Objectives. Donc, on détermine une métrique et on va associer un objectif associé devant ça. Et après, j'ai les outils. Et dans mon cas présent, tous les outils que j'avais besoin, ils sont connectés à Captain, donc je n'ai pas de problématique pour le lancer. Alors, du coup, ça revient sur le papier précédent. Donc là, on avait notre pipeline, on avait peut-être une heure ou deux heures pour que quelqu'un regarde comment ça se passe. Donc là, la différence, c'est qu'on va revenir sur toutes les étapes, sauf qu'à la fin du test, je vais envoyer un message à Captain. Donc, ça va être juste un appel à l'API pour dire, j'ai fini mes tests. Captain, s'il te plaît, évalue le test Chaos Engineering du service, achat. Et donc là, Captain prend la définition du service, il dit, tiens, j'ai des SLI et des SLO. Donc, j'ai défini les différents SLO. Donc, tiens, OK, il ne faut pas que j'ai des pod failures supérieurs à 1%. Il ne faut pas que j'ai une note pressure. Il faut que j'ai un taux d'erreur à ce niveau-là. Le temps de réponse soit à ce niveau-là aussi. Donc là, il récupère tous les SLO. Et par contre, derrière les SLO, il va y avoir un provider de métriques. Donc, un provider de métriques, ça peut être un Dynatrace, ça peut être un Datadog, ça peut être un Prometheus. Donc, dans ce cas présent, lui, il va se connecter à Prometheus. Il va envoyer une PromQL pour récupérer les valeurs de chacun des SLI qui sont été décrits dans le fichier YAML. Donc là, il récupère les fameuses métriques. À la fin de la récupération des métriques,
on a un, ce qu'on appelle un Captain Bridge, donc c'est une visualisation. Et ça va présenter tous les SLO qu'on a exprimés et le statut associé. Donc, on a une sorte de heat map qui dit où on en est, le associé. Et ce qui est intéressant avec Captain, c'est que derrière, à chaque SLO va donner un nombre de points. Et on a des SLO qui sont deux fois plus importants, donc du coup, il y a deux fois plus de points. Et des SLO qui sont critiques, donc s'ils ne sont pas là, bah, tout pète. Et donc, du coup, on peut avoir des règles de validation qui sont très, très, très fines. Et à la fin, on a un score. Et donc, du coup, je vais déterminer le succès de mon test uniquement sur le score. Pour que mon test soit valide, il faut que j'ai un score de 80, 10% ou 80%. Et du coup, au moins, grâce à ça, j'ai un vert. Et ce vert qui sort de mon automatisation, j'ai confiance à ce vert. Et donc, je n'ai pas à dire « Ah, va regarder parce que je n'ai pas trop confiance ». Et alors que si c'est en erreur, bah là, dans ce cas, on va forcément analyser. Donc ça, c'est... Mais du moins, ce qu'on veut éviter au maximum, c'est d'avoir des faux verts, entre guillemets, des gens où on n'a pas confiance au statut et les gens vont regarder tout de même le résultat des tests. Pour petite conclusion, donc, d'abord, en Kubernetes, on l'a vu, définissez des quality of service, donc des requests et des limites. Essentiellement sur la mémoire, c'est clair. Sur les CPU, bon, ça peut se discuter, mais sur les limites et les mémoires, ça va être important. Créer des ressources côtoies par namespace, ça me semble normal. Et après, on va partir sur l'objectivité. Donc, il faut s'assurer à ce qu'on récolte toutes les traces, les logs, les métriques. Parce qu'une fois qu'on les a récoltées, on comprend et c'est plus facile à analyser et à faire du troubleshooting. Sur la partie SREs, définir des SLA et des SLO, faire du test sans SLA et SLO. Vous êtes en test et donc du coup, ça peut maturer vos SLA et SLO pour les utiliser après en prod. Donc, ça permet de maturer un peu son sujet et même de tester des SLO que vous avez pu mettre en prod et les mettre en test et avoir confiance à ces fameuses règles que vous avez fixées. Et enfin, chaos engineering, ça c'est vachement utile, surtout aujourd'hui avec toutes ces architectures complexes, à injecter de l'erreur, ça permet de s'assurer et avoir confiance à ce qu'on a designé. Voilà, et petite conclusion, voilà, donc chaîne YouTube, je vous ai mis l'adresse. Donc la plupart des contenus, ce que j'ai, donc il y a un tuto sur Itmus et sur tous les différents sujets que j'ai présentés. Une fois de plus, j'ai besoin de retour pour m'améliorer. Donc. Si vous pouvez me faire des retours, ce serait génial. Voilà, merci. Merci. Donc, pour ces questions maintenant, tu peux pas. Si quelqu'un a des questions, même en remote, je ne sais pas si tu t'entends, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions via le chat ou on peut poser des questions après la fin. Moi, j'avais une petite question aussi. À niveau de Linux et Gremlins, du coup, à un moment, il y avait très développé. Gremlins, tu connais. Oui, bien sûr, mais Gremlins était. Ouais, mais je ne sais pas maintenant si vraiment ça a rattrapé un peu le cas qu'il y avait avant avec toi. Parce que pour moi, Gremlins, c'était un peu le talcosin, en tout cas, tout ce qui était Chaos Engineering. Mais maintenant, j'ai l'impression que Linux a vraiment pas mal. Alors, je trouve que Linux. Alors, il y a la seule chose que Gremlins a de l'avance, c'est qu'ils ont l'injection. On peut générer des applications d'injection d'erreurs dans le code. Litmus ne l'a pas encore, et normalement sur la version qui va sortir cet été ou c'est en septembre, il y aura le SDK pour injecter des erreurs dans le code. Donc aujourd'hui, un Litmus avec la plateforme qu'ils ont graphique, avec le connectif GitHub, autre chose que je n'ai pas dit aussi, que j'ai vu d'utiliser Argo, la manière dont on définit un workflow d'expérience dans Litmus, c'est du Argo Workflow. Donc, si vous savez faire des Argo Workflow un peu compliqués avec plein de choses, Litmus, c'est génial parce que du coup, il y a juste à utiliser ces workflows, les remettre et ça fait. Donc, moi, je trouve que Litmus, aujourd'hui, Gremlins, j'ai utilisé vraiment... par le passé. Ouais. Je trouve que c'est gratuit déjà. Ouais, ça fait. Et ça fait la même chose en fait. Alors, il faut juste avoir en conscience qu'il faut mieux avoir une infra Litmus un peu séparée parce que Litmus peut. C'est quand même assez costaud comme sur le cluster. Donc, si vous êtes un peu short en ressources, il vaut mieux avoir un cluster un peu dédié et dire tiens, c'est pas grave, ça va servir plein de différents projets que d'avoir un gros Litmus qui sort dans un cluster et puis de vous dire ah tiens, je paye 20% de mon cluster, ça part dans Litmus, ça me paraît malheureux. Ok, c'est vrai qu'après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions après à la fin. Sur Ah oui, on peut passer. On a une sur Chaos Mesh.
Alors Chaos Mesh, ouais. Alors Chaos Mesh est aussi SNCF. C'est un produit qui est excellent aussi. J'ai moins d'expérience avec Chaos Mesh. Je trouve que Litmus, il y a eu vraiment un pas en avant. En fait, il y a moins d'un an, ils étaient en ligne de commande, c'était rien. Et maintenant, avec tout ce qu'ils ont fait et tous les efforts qu'ils sont en train de réaliser, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Mais je pense que Chaos Mesh a toutes les fonctionnalités équivalentes. C'est juste, je pense que Chaos Mesh était peut-être un peu plus léger, on va dire, que Litmus. Mais après, je pense que Litmus est plus designé pour du gros. On peut créer des équipes. Enfin, il y a vraiment une gestion de droit d'utilisateur. On peut créer des projets différents. Donc c'est, la logique n'est pas la même que le petit projet qui est en mode qui tourne tout seul dans un cluster. Petite question également. On a parlé de Cloud Event, quelque chose de standard. J'imagine que du coup, des events dont on parlait tout à l'heure, ça peut être remplacé du coup sur genre Go Workflow par du Argo Events aussi, j'imagine. Alors les événements, c'était vraiment les événements. Tu peux répéter la question pour... Oui. Alors la question c'était, est-ce que sur les événements qu'on a vus tout à l'heure, est-ce qu'on ne pouvait pas les remplacer plutôt avec des events Argo, des Argo Events? Donc là en fait, tout à l'heure, les événements que je disais là, c'était vraiment les événements purs Kubernetes. Oui, pour les lancer les workflows. Alors, dans Litmus, on définit le workflow et c'est un objet en tant que tel. Donc après, on l'envoie et après, il y a un composant qui s'appelle le workflow controller qui est finalement un Argo, composant Argo, qui va tout lancer le workflow. Donc en fait, pour déployer en distance, il faut faire un appel d'API à Litmus et lui va faire le déploiement du workflow dans le bon cluster, enfin dans le bon namespace, dans le bon cluster. Ça pourrait être LDR, LDR, LDR. Je pense. Il faudrait voir. Alors ça, je n'ai jamais fait. Après, la communauté Litmus est vachement active. Ils sont dans le Slack de Kubernetes. Ils ont un channel Litmus. Donc, ça vaut le coup de demander cette question directement à Litmus. Ouais. Question aussi. Est-ce que vous avez utilisé sur du chaos engineering, alors pour ce genre d'expérience, non, je ne le ferai jamais en production, pour être honnête, parce que l'impact peut être trop important. Mais par contre, oui, sur Litmus, ils ont donc il y a ce qu'on appelle des probes, des sondes, qui vont être lancées avant l'expérience. Genre, je n'ai pas parlé de tous ces éléments, mais en fait, avant de lancer une expérience, il faut vérifier si on est vraiment dans l'état désiré, initial. Donc c'est steady state. Donc, la sonde va vérifier qu'on est dans un état convenable. Et après, il y a une autre sonde qui permet de vérifier dans quel état on se situe, qui permet de s'en couper. Donc, si on le lance en production, si vous avez bien configuré vos différentes sondes, normalement, Litmus va dire « Ah là, je suis dans un état, j'ai dépassé le seuil d'acceptabilité. » Donc là, il est censé couper et revenir, faire un rollback pour revenir à la situation normale. Donc, ça peut être tout à fait utilisé en production. Mais encore une fois, je le ferai. Enfin, il faut mieux être un peu plus mature avant de se lancer dans l'aventure, quoi. Ok, merci. On passe à la prochaine. Peut-être que vous pouvez mettre ça avec ce chose ici pour comme ça. Ouais. La petite chaise, il y a la personne en avant. Ça, on peut faire passer là. Hop. Du coup, bon, bah, on passe à la prochaine. J'espère que le son c'est mieux aussi, ce côté-là. Je pense que oui, ça va aller. Merci. Voilà, du coup, bon, je commence par me présenter. Du coup, en plus d'être facilitateur, organisateur de Meetup SRE, du coup, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Resilience. Notre mission, c'est vraiment améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Et du coup, ça passe aussi pour fournir des outils aux patients pour améliorer un peu leur vécu et leur parcours, en tout cas, de traverser par le cancer. Et aussi aux soignants, aussi, fournir des outils pour améliorer aussi le parcours, en tout cas, de ces patients-là. Et au pareil, comme on disait aussi Romain, on recrute aussi, du coup, pareil, des SRE, si vous cherchez, en tout cas, faire du télétravail un peu partout, aussi, on recrute. Et voilà, et du coup, maintenant, c'est pas le séminaire, comme vous avez vu. Et voilà, du coup, je suis SRE chez Resilience aussi. Du coup, voilà. Et du coup, cette présentation-là, comme je disais, c'était pour d'abord, l'idée est née d'un constat de que,
encore, je vois dans certains contextes pro des gens qui continuent à, pas forcément dans le milieu SRE, mais forcément de, parfois des produits ou des autres niveaux management, continuent à s'appuyer comme métrique l'uptime pour des services un peu classiques. Du coup, cette présentation va être assez générique. On ne parle pas forcément, on ne rentre pas dans le détail vraiment de techno. Peut-être un petit peu, mais pas forcément. Mais l'idée, c'est de peut-être si vous êtes confronté à des situations ou dans votre travail ou contexte, où vous devez justifier pourquoi l'uptime n'est pas la meilleure façon de mesurer l'expérience utilisateur, ou pourquoi ça ne la représente vraiment pas forcément idéalement. Et l'idée, c'est de vous donner des éléments de comment présenter ça, et surtout aussi de comment aller vers quelque chose qui est plus utile, pratique, comme les SLO, SLI, qui parle justement avec. Du coup, basiquement, pour revenir à l'essence de l'uptime, c'est qu'on mesure, je pense, classiquement depuis 10 ans, je pense, un peu partout, c'était justement les ratios de le temps qu'un service est disponible, basiquement. Du coup, là, c'est calculé en gros le temps que le service a été disponible versus le temps total que le service a tourné. Du coup, ça donne un sort de ratio de la disponibilité. Et c'est ça que, comme ils disent en général, pour contractuellement, des SLA, parfois contractuels au niveau des. Qu'on s'applique en tant que client parfois ou des réglementations par certains services. Et du coup, on va voir pourquoi ça, ce n'est pas forcément la meilleure métrique d'un point de vue utilisateur. Du coup, comme je disais, du coup, pourquoi on utilise cette métrique-là? Du coup, comme je disais, parfois, j'ai vu que c'est plus contractuel. On a des. Côté régulation, on demande d'avoir un uptime avec un chiffre que parfois c'est complètement arbitraire. 99, et comme peut-être vous le savez, mais ou peut-être pas, mais plus on ajoute des nefs, plus ça coûte cher, en tout cas, du coup, c'est ça le trade-off à faire. C'est pas que si on peut pas attendre les 100%, et du coup, ça, c'est presque inidéal. Mais on va parler plus en détail après de ces contraintes-là. Mais du coup, on retrouve ça, le fait d'avoir un uptime parfois, je sais pas, 99, un peu partout, et voilà, du coup l'idée c'est de vous montrer pourquoi ça n'a pas de sens, peut-être vous le savez déjà, mais si ce n'est pas le cas, on va revoir un peu ça. Du coup, actuellement, du coup, ce type d'uptime, on mesure avec des sondes comme PingDom ou StatusPage, ils sont des sondes un peu externes, et du coup c'est fait via des checks un peu black box, c'est des services qui sont en externe à notre infra, à notre service, qui vont faire de ping HTTP, peut-être tous les minutes, tous les 5 minutes, juste pour avoir une réponse correcte sur un seul endpoint. En général, c'est juste la home page d'un site ou un service ou un API. Du coup, on va voir pourquoi ça, c'est très limité, c'est pas forcément une bonne idée. Hop. Du coup, là, par exemple, c'est l'exemple. Là, j'ai pris un exemple de Datadog parce que j'avais un peu à la main Datadog, mais bon, ça peut être pas mal de ces services. Il y a StatusPage, je pense qu'il y a la même chose. Du coup, tu définis certains locations, même New Relic aussi. Différents locations, et du coup, tu les donnes un endpoint et il va traquer ça en continu pour voir si ton service est disponible ou pas. Là, c'est un exemple assez basique, il y a juste une sonde à Paris, je crois. Et voilà, on a vu qu'à un moment, il y avait un peu d'indisponibilité, du coup, c'est pour ça, c'est 99,95. Mais voilà, du coup, ça, c'est un peu la métrique classique qu'on utilise. Et du coup, on va voir que ce n'est pas forcément utile. Par exemple, dans le cas où on doit faire un reporting d'une disponibilité d'un service et on voit, par exemple, il n'y a pas d'activité. Là, c'est un exemple où il n'y a pas d'activité la nuit. C'est un service qui est vraiment basé en France, par exemple. Du coup, en dehors des horaires ouvrés en France, il n'y a pas d'activité. Du coup, si on aurait du downtime là, à ce moment-là, il n'y aurait aucun impact pour les utilisateurs, mais ça pénalise quand même notre uptime. Du coup, ça, on commence à voir qu'il n'a pas forcément de sens d'avoir l'engagement contractuel sur un truc qui n'a aucun impact vis-à-vis de l'utilisateur. Du coup, c'est un cas, par exemple, où on dit c'est pas forcément représentatif de la réalité, en tout cas de l'expérience de l'utilisateur. Un autre exemple qu'on peut voir, c'est aussi assez commun, c'est qu'on a un load balancer, par exemple, là, j'ai pris l'exemple avec Nginx, mais du coup, on a un load balancer en face et on a, par exemple, 3 backends derrière et il y a un des 3 backends, par exemple, dans cet exemple, qui ne répond pas. Du coup, peut-être la sonde qui va checker l'uptime, il tape sur un point qui est soit peut-être un tiers du temps va tomber sur celui qui a une erreur, mais pas tout le temps. Du coup, c'est difficile à savoir si un outage partiel c'est considéré comme des downtime ou pas. Du coup, voilà, ça biaise un peu la mesure. Et aussi, si l'endpoint tombe sur des autres back-end, on n'aura peut-être jamais aperçu que peut-être il y a un tiers des utilisateurs
qui sont impactés. Par exemple, si le balancer fait des routines basées sur, je sais pas, le user ID ou quelque chose comme ça, une user session, on va voir que peut-être pour la somme de métriques, ça va être 100% up, mais on aura un tiers d'utilisateurs qui sont impactés. Et du coup, pareil, du coup, si on est vraiment, on va être honnête avec nos utilisateurs, on voit que l'uptime, ce n'est pas forcément le plus l'idéal dans ce cas-là. Un autre exemple, par exemple, c'est le temps de réponse. C'est aussi très piégeux parfois, c'est dire ou croire qu'on a un temps de réponse, parce qu'on a un time de 100%, qu'on est vraiment, on a un service qui est nickel. Et ce n'est peut-être pas le cas parce qu'on monite juste un endpoint qui répond avec une requête, un ping, et du coup qui va être toujours hyper rapide à répondre, je ne sais pas, en 10 millisecondes. Mais on voit qu'il va y avoir peut-être des requêtes. Là, l'exemple, peut-être on ne voit pas trop, mais il y a des requêtes qui vont, si on voit dans le tableau à droite, le max time, il y a parfois des requêtes à 5000 millisecondes. Du coup, c'est très élevé. Et du coup, ça veut dire que peut-être il y a des utilisateurs qui sont en train de se prendre des requêtes très lentes. Mais nous, dans notre vision limitée de l'uptime, on est à 100% et tout est bien. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas ce qui représente vraiment les attentes des utilisateurs ne sont pas là. Du coup, si on veut vraiment rendre un service de qualité, évidemment, on devrait faire attention à ça. Voilà, ça, c'est des exemples pour lesquels l'uptime n'est pas forcément la meilleure des métriques. Et voilà, du coup, ça c'était un peu pour donner un peu des arguments. En tout cas, c'est un moment où vous devez défendre pourquoi l'uptime, c'est pas une bonne idée. Mais du coup, vu ça, après on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mesure, où on part d'où. Parce que voilà, il faut avoir des alternatives, on ne peut pas juste critiquer que voilà, l'uptime n'est pas idéal. Du coup, pour ça, pour ceux qui connaissent, il y a le bouquin SRE qui parle des Golden Signals, mais bon, c'est un peu aussi connu un peu dans le milieu. Mais c'est basé sur ces quatre métriques. Je pense que pour la plupart des services, surtout basé sur du web, des API, ce type de choses, pas sur des services batch. Ces quatre métriques sont assez représentatifs de le bon état de santé ou pas d'un service. Il y a la latence, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est le temps de réponse des requêtes. Le trafic, en gros, basiquement, c'est le nombre de requêtes que vous pouvez traiter par seconde, par minute, peu importe la unité de temps qu'on choisit. Et le nombre d'erreurs, en gros, le nombre de requêtes dans une unité de temps aussi, le nombre de requêtes qu'on répond en erreur. Ça peut être, par exemple, pour un service HTTP de 0.500, par exemple. Et la saturation qui est plus liée à la saturation au niveau de l'utilisation des mémoires CPU ou disque I/O, ce type de choses, qu'on peut mesurer dans le sens où si le service arrive à une limite, qu'il s'accape à un moment. Du coup, c'est un peu ce que tu parlais. On peut faire ce type de test aussi avec Cars Engineering pour arriver à connaître les limites d'un service. Du coup, l'idée, c'est plutôt que ça va se faire juste sur l'uptime, c'est choisir ce type de métriques qu'on va voir plus en détail après pour avoir un meilleur aperçu de l'expérience utilisateur, en tout cas par rapport à l'uptime. Mais avant de passer à la prochaine slide, je ne vais pas dire que l'uptime n'est pas forcément qu'il faut l'oublier ou qu'il ne faut pas le considérer, parce qu'on peut avoir, par exemple, là, ce type de métriques, on peut les prendre côté back-end, par exemple, le serveur qu'on a vu tout à l'heure, l'exemple. Mais si on a une erreur vraiment à niveau de load balancer, on n'aura jamais les métriques pour savoir si on a vraiment un problème. Du coup, l'uptime en mode black box, ça peut servir vraiment si vraiment ça ne répond pas, c'est vrai que l'utilisateur n'arrive pas à changer de service. Du coup, c'est une métrique de plus, mais ce n'est pas la seule métrique qu'on devrait garder en tête ou présenter ou utiliser comme une mesure de la satisfaction ou des attentes des utilisateurs. Voilà, du coup, juste en parenthèse comme ça, je ne vais pas dire qu'il faut jeter l'uptime à la poubelle, mais il faut le garder, je pense, un peu de côté quand même. Voilà. Et du coup, comme je sais, la partie uptime, c'est une métrique qui est basée sur le time-based. Et là, c'est les métriques qu'on voyait tout à l'heure pour les Golden Signals, c'est plus count-based. Du coup, la première chose que je pense que si on est dans une transition vers de uptime, de juste mesurer l'uptime dans un service, et on veut aller vers une approche plus SLO, SLI, c'est commencer déjà pour un service pratiquement web, HTTP ou API, comme on a, je pense, la plupart des gens ici, je pense, c'est ce qui est le plus fréquent, en tout cas, je pense, actuellement. Le mieux, c'est déjà commencer à mesurer les success rates, right? C'est en gros, basiquement, le nombre des good events versus le total d'events. Par exemple, là, je mettais l'exemple, c'est un peu approfondi de plus en plus dans les lignes.
Mais du coup, on passe juste de la définition générale, que c'est juste les bons événements sur la quantité totale des événements. Après, du coup, pour un service HTTP, ça pourrait être juste le total de requêtes HTTP en enlevant les requêtes en erreur. Du coup, ça resterait que les bonnes requêtes, ou les requêtes 200, par exemple, et sur le total de requêtes. Du coup, après, la troisième ligne, c'est pour ceux qui connaissent la syntaxe de Prometheus, c'est vraiment un truc Prometheus assez classique, où on regarde, comme dit, la requête 200, et il y a une erreur là dans la ligne, il n'y a pas besoin de mettre le statut 200 parce que normalement, c'est toute la, on peut compter tout le total de requests. Voilà, du coup, ça, c'est un autre exemple un peu plus appliqué, en tout cas, au contexte de Prometheus. Comme je disais, là, l'idée, ce n'est pas forcément, attaché à un outil en particulier. Hein. C'est vraiment l'idée. Et la dernière ligne, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la syntaxe des Datadog. Mais bon, ça pourrait être n'importe quel autre outil. Je n'ai pas de sponsoring avec Datadog du coup. Mais du coup, j'avais la syntaxe à la main. Et du coup, voilà. Du coup, ça représente la même chose. Du coup, toutes ces lignes-là, c'est la même chose. Et du coup, je pense que là, si on passe déjà à ce type de métriques, déjà, je pense qu'on aura une idée plus précise de ce qui se passe, ce qui voit l'utilisateur en tout cas. Voilà. Hop. Oui. Oui. Tu peux revenir à la yep. Là, tu mesures que sur les événements que ton backend reçoit. Oui, par exemple, là, c'est un exemple pour le backend. Oui. Tu ferais comment pour mesurer le côté utilisateur? Ça, c'est une bonne question. Du coup, il y a différents niveaux. Soit tu peux mesurer aussi au niveau de load balancer, mais pareil, à un moment, tu dois être vraiment de leur côté utilisateur. Et pour ça, du coup, tu peux utiliser des sondes aussi qui te donnent le temps de réponse entre ta connexion au serveur, le first byte qu'on appelle, et toute la partie de résolution DNS, tout ce type de choses. Mais du coup, pareil, du coup, dans ce cas-là, tu dois ajouter un autre composant dans ton infrastructure pour qu'il aussi, et va être aussi confronté à des problèmes de disponibilité aussi, pour justement envoyer ces métriques-là et pouvoir les traiter après. Du coup, ça te rajoute un but, mais oui, c'est possible, ça existe. Je pense que, par exemple, il y a Sentry, avec Sentry, par exemple, je ne sais pas si tu connais Sentry aussi, tu peux le faire. Du coup, tu injectes une sorte de client JavaScript qui va faire toutes ces requêtes-là, récolter ces data. Et même New Relic aussi fait, bon, je pense que data aussi, c'est la même chose. Tu peux injecter du code JavaScript pour faire ça. Mais pareil, du coup, ça te rajoute aussi du code qui n'est pas à toi, de ton client en tout cas, dans ton infra. Et pourquoi pas, ça peut servir, mais bon, après, il faut faire attention d'envoyer qu'un échantillon, pas toutes les requêtes de tous les clients, mais bon, après, c'est bon. Mais ouais, du coup, c'est ça que j'ai essayé tout à l'heure. Là, tu risques des sites, maintenant, il y a un problème vraiment dans le Edge, dans ton load balancer. Évidemment, ces méthodes-là, tu seras au web. Mais bon, voilà, il y a déjà aussi différents touches. Mais là, dans le cas où toutes ces parties-là fonctionnent, en tout cas, là, tu as une vision plus précise de ce que l'utilisateur voit. Sinon, tu as des solutions qui s'appellent WebEdge Test. C'est lequel? WebEdge Test. C'est non, je connais pas. C'est celle qui est... Ouais, tu envoies un site d'URL qui va t'exécuter sur des vrais navigateurs ou sur un mobile. Ah oui, je vois. Et il te donne toute la décomposition. C'est pas celle qui est intégrée dans Chrome Non. C'est celle qui a racheté récemment. Par Catchpoint. C'est Catchpoint qui l'a racheté. Sinon, tu as aussi Salesforce qui fait la même chose, mais que tu peux payer sur le cap. Après, il y a Kubernetes avec le Kubernetes aussi. Mais du coup, dans ce cas-là, depuis ton client, tu as... Tu as orchestré les tests que tu fais déléguer. Alors, soit tu fais un HTTPS.org qui est partagé, soit tu déploies ta propre infra. Ah, ça, tu peux faire un test avec tes navigateurs et tes trucs. Ça reste éditeur de ton infra, en fait. C'est pas une vision, une user finale, finalement. Contrairement à un JavaScript que tu vas déployer dans ton application, qui, lui, va te ramener des métriques de ce qu'on voit là, par exemple, dans la vraie vie. Ouais, ça. Après, il y a une user maintenant, mais forcément plus facile. Mais si tu veux juste Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'après, l'intéressant, c'est d'avoir un peu, je pense, l'idéal, c'est d'avoir un peu ces trois choses. D'un côté, la vision externe, le côté utilisateur, vraiment, ce qu'il voit l'utilisateur en injectant de JavaScript. Et essayer de voir les trois. Je pense que là, tu auras une vision vraiment plus précise de ce qu'il voit l'utilisateur. Mais oui, évidemment, tu peux jamais avoir une vision complète, exactement précise de ce qu'il voit tous les utilisateurs en même temps. Et même si tu pourrais, ça a un coût. Et du coup, c'est pareil. Si tu n'utilises pas les échantillons, tu ne veux pas gérer toutes les requêtes, peut-être sur certains services. Du coup, voilà, il faut trouver toujours le bon compromis. Et c'est pour ça qu'il y a tout un gap énorme entre juste monsieur l'uptime avec une requête HTTP et ajouter tous ces outils aussi.
il y a pas mal d'options, mais voilà, il faut trouver juste le meilleur compromis par rapport à chaque service. Du coup, là, c'est un exemple avec, pareil, c'est Datalog, mais parce que j'avais la main, mais je sais que Grafana aussi, maintenant, ils ont ajouté une interface pour faire, comme dit, paramétrer des SLO, basé sur des métriques aussi. Du coup, là, c'est un exemple assez classique. Bon, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure, ce que j'ai montré. Là, il y a le nombre de requêtes. Là, on voit la surface. Il y a A moins B, c'est en gros le nombre de requêtes totales. On enlève les serveurs, du coup, c'est des requêtes, on requête. OK, good. Et sur le comme dénominateur, c'est le total des requêtes. Du coup, c'est la même formule qu'on a vu tout à l'heure. La facilité qu'apporte Datalog, mais ça pourrait faire Grafana ou des autres aussi, c'est que du coup, après, ça te permet de juste de choisir un seuil, du coup, tu dis ton target, quel est ton target par rapport au nombre des événements que tu veux avoir comme correct ou pas, sur quelle fenêtre de temps, si tu veux avoir un warning aussi pour t'alerter avant que ça arrive au seuil que tu as fixé. Et aussi, tu fais une petite calcul de combien de requêtes rentrent dans ton error budget. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de error budget, c'est que si tu te fixes que tu peux avoir, par exemple, dans un temps de 30 jours, pour faire, je sais pas, un chiffre un peu random, tu te permets d'avoir, je sais pas, 50 requêtes en erreur. C'est vrai que si tu dépasses les 50 requêtes en erreur, tu dépasses ton erreur budget. Et du coup, voilà, là, tu sors de ton objectif que tu t'es fixé en tant que SLO. Et du coup, voilà, normalement, il y a une action à faire. Mais tant que tu es dans le budget, du coup, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais que tu veux redéployer, faire peut-être des erreurs, ou faire des tests, des code engineering, comme tu veux, tant que tu ne dépasses pas ton budget que tu t'es fixé. Du coup, voilà, et c'est assez pratique, je trouve, en tout cas, pour TEDx, qui t'affiche en tout cas quel est leur budget, combien tu as dépensé et quel est le nombre de requêtes que tu peux utiliser dans cette budget-là. Du coup, voilà. Mais je sais qu'il y a Grafana, par exemple, je pense qu'il fait la même chose maintenant depuis un moment, ou des autres services qui font la même chose. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est assez pratique et ça permet aussi justement de rapidement mettre en place quelque chose qui est un peu, qui peut être mis en place rapidement et que ça donne de la valeur tout de suite par rapport à juste à l'uptime qu'on peut avoir classiquement. Voilà. Et du coup aussi, là, je vais vous montrer, là, c'était une phrase que j'ai vue. Il y a un article qui a été écrit par Ioannis, je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais bon, c'est quelqu'un qui est assez connu, ou en tout cas peut-être pour moi. Mais en tout cas, qui, du coup, il a, dans cet article-là, il a décrit en tout cas comment il a fait comment il s'est fait le parcours, en tout cas, dans la boîte pour laquelle il bossait, pour l'implémentation des SLO. Et du coup, je trouve que c'est assez, sa démarche était assez, comment ça s'appelle, assez bien décrite en tout cas, et comment lui, il a pu apporter ça à l'entreprise en adoptant la partie SLO, qui n'était pas, qui ne faisait pas partie de la culture de l'entreprise, en tout cas à la base. Et du coup, voilà, il raconte un peu tout le parcours avec pas mal de, il est assez humble en tout cas dans son parcours, dans ses attentes, et comment est-ce qu'il a commencé à implémenter ça dans son petit service, dans son équipe, et comment après ça a pu propager ça dans toute l'entreprise. Et du coup, c'est pour ça qu'il disait que bon, à la fin, là, un peu une partie de la conclusion, c'est que justement amener tous ces mindsets en tout cas liés au SLO dans sa boîte, c'était plus comme un marathon, c'était plus du long terme. Du coup, c'est pas quelque chose que tu peux arriver le jour au lendemain et dire voilà, on va faire ça et ça va marcher, que tout le monde va être content et que tout le monde va accepter. Évidemment, non. Du coup, voilà, son parcours, son article, c'est assez intéressant sur cette partie-là. Hop. Et du coup, voilà, du coup, là, j'ai mis aussi des autres notes qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui est intéressé justement de commencer à adopter ça. Il y a différents articles, par exemple le premier, c'est super intéressant parce que ça parle justement de comment mesurer la disponibilité. Il n'y a pas que, là je parlais juste des deux façons de faire basées sur le temps, le time base, et count base basé sur le compte des événements. C'est le plus répandu, mais là dans cet article là il parle des autres alternatives qui sont assez intéressantes, assez originales, et peut-être ça ne va pas marcher dans tous les contextes, mais ça vaut la peine de regarder, peut-être ça s'inspirer pour des autres contextes que peut-être on peut être confronté à un moment. Après, il y a un article intéressant, c'est celui que peut-être vous connaissez déjà, c'est publié chez Google, dans le blog de Google.
Du coup, ça parle justement de la définition de disponibilité. Qu'est-ce que c'est la disponibilité? Qu'est-ce que n'est pas? Et justement, ce concept-là qu'on parlait tout à l'heure, de le time-based, count-based, pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fait pas. C'est super intéressant. Après, bon, là, c'est un classique, le book, le SRO book, pour la partie content signals. Mais aussi intéressant parce qu'il parle aussi des métriques qui parfois ne sont pas forcément ce qu'on peut trouver dans le service web. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a service batch qui sont des métriques plus pertinentes ou des stockages, des services de stockage qui ne sont pas forcément les métriques ne sont pas les mêmes ou en tout cas ne sont pas intéressantes les mêmes métriques. En tout cas. Voilà. Après, bon, un exemple aussi, peut-être pour quelqu'un qui commence, ça peut être un peu complexe, mais ça vaut la peine de les lire, c'est Implementing SLOs. C'est pareil, c'est dans le workbook de Google. Mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout un cas d'usage complet qui décrit en tout cas comment les étapes pour implémenter SLO dans un service d'exemple côté Google. Mais justement, c'est un peu complexe parce que si c'est des grosses infrastructures de Google, du coup, il y a pas mal de choses. Peut-être que ça peut être un peu dur au début, mais ça vaut la peine aussi de les lire. Et le dernier que j'ai mis, c'est la partie de l'article que on parlait tout à l'heure de Yohannis. Qui parle justement de son parcours, de comment il est parti de la démarche d'implémenter SLO dans son entreprise. Voilà, du coup, ça c'est basiquement, je voulais donner une aperçu en tout cas de comment on peut partir de l'uptime, qui est quelque chose assez répandu et qui peut-être s'utilise encore, j'espère que pas partout, mais qui s'utilise encore. Du coup, voilà, comment avoir quelques pistes pour commencer à implémenter ça. Et voilà, basiquement c'était ça. Hop. Et voilà, c'était tout. Je vais passer à des questions ou un chat. J'espère que le son était bon. Ouais, c'était variable. Ah, ok, ouais, peut-être quand je. On changera de micro, je ne sais pas. Ok, pas de souci. Ok, bah, si je vais passer à des questions. Non, ok. Du coup. La suite, je ne sais pas si c'est dans les slides. Tu veux que je te mette le slide ou c'est... Je pense qu'il y avait juste un dernier slide, mais c'était... Non, t'es où, là? Ouais, parce qu'il y avait l'autre... Je te mets l'autre. Ouais. Bah, du coup, ouais, ça c'est la partie question. Voilà, non, c'est tout. Du coup, c'était là. voilà, et du coup, après, je vais commencer. Bon, c'est du coup, apéro. Du coup, en tout cas, juste pour un peu résumer, et tous les slides, je pense qu'après, je vais te demander peut-être de partager les slides. Du coup, comme ça, on va mettre à disponibilité de tout le monde les slides, les miens, aussi celles d'Henrik, pour ceux qui veulent, en tout cas, les références, les liens ou ce type de choses. Et voilà, et encore une fois, merci à Romain et Emmanuel aussi pour l'organisation, merci à tous les sponsoring et l'événement, c'était super cool. Et aussi à tous les gens qui sont présents là, et même ceux qui sont en remote aussi, merci d'être là. Et voilà. Et on peut peut-être aller voir un coup. Ouais, juste peut-être, ouais. Bah, tu l'as dit en introduction, mais n'hésitez pas à proposer des talks sur le Meetup de SRF France. Voilà, des événements comme ça, on est une vingtaine, on va en faire d'autres ici ou ailleurs, hein, mais je serais ravi de l'accueillir à nouveau. Voilà, si on veut faire vivre la communauté, effectivement, il ne faut pas hésiter à proposer des sujets. Je pense que vous en avez tous à proposer. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, pour proposer des événements aussi, on a un repo GitHub, peut-être que vous connaissez déjà, où on peut faire juste un issue avec le proposal de la conférence, on l'a testé. Et du coup, ça permet justement d'automatiser un peu le processus pour proposer des talks. Du coup, n'hésitez pas à proposer, comme je disais, il y a tous les sujets un peu de monde de Saro, DevOps et tous les niveaux. Du coup, n'hésitez pas, même aussi, j'encourage toujours les gens pour lesquels c'est la première fois, n'hésitez pas à présenter, je pense que c'est un bon exercice. Surtout quand on est dans un petit groupe, ça fait moins peur. Du coup, n'hésitez pas à présenter. Voilà, il n'y a personne qui est méchant. Du coup, voilà. Et voilà, ouais, merci à tous. Voilà, à la prochaine, à bientôt, pour un prochain événement. Merci. Coupo. Ouais, on va couper. Ouais. Je propose pour ceux qui veulent de basculer à côté. C'est très chaud ces derniers jours, ce sera contrairement à la traditionnelle pizza sur les sushis.
Du coup, ouais, non, bon, moi, c'est...